Bon, on va reprendre Dragon Age Origins. On va arriver au conclave. Mauvaise partie. Déjà, ça commence mal. Alors, charge une partie, changer de personnage. Voilà, c'était ça. Bon, alors où est-ce qu'on en était? Alors les quêtes. Orzammar, non. C'est directement l'essentiel, je pense. J'ai un peu pas mal tourné en rond au niveau des quêtes d'Enerim, l'histoire, le combat. L'enclin, le conclave. Voilà, l'Enerim pour le conclave. Le Yarimon souhaite réunir les nobles afin de choisir un nouveau roi qui unira Ferelden pour vaincre l'enclin. Mais Logan présente toujours un fort pouvoir de nuisance. Vous avez fort à faire avant d'être en mesure d'affronter, de l'affronter. Tenez Imon, informé au fil de vos exploits. En règle générale, vous le trouverez dans ses quartiers personnels au dernier étage de son domaine. Bon. On va essayer d'aller faire quelques quêtes. Comment on sort de là tout droit? Alors, on va prendre Morgane. Alistair parce que c'est mon tank et à chaque fois. Je ne sais jamais qui prendre. Alors, on va dire Win parce que c'est ma soigne. Adamned, mauvais bouton. Et Alistair, accepté. Bon, personne n'a de niveau à passer, c'est plutôt pas mal, ça m'arrange. Alors, messager du collectif des mages, non, normalement je dois avoir une quête à rendre dans une auberge dans le coin. Combien j'ai d'argent? 34? Tiens, ce qu'on va faire, c'est ce sera fait. aller voir Goldana, la sœur d'Alistair, voilà ce qu'elle a à nous dire. Rien. Bon. Je me tâte toujours si je laisse Alistair en garde des ombres ou s'il devient roi. Ah, elle fait de laisser garde des ombres, il veut pas devenir roi, de toute façon. Il veut pas devenir roi, de toute façon. Vous trouvez votre bonheur. Le paiement, n'oubliez pas de passer de temps à autre. À présent, si vous voulez bien m'excuser. Quête mise à jour. Bon, je pense qu'il est temps d'aller rendre visite au Jarl Howe. Que le garde des ombres noble humain, il l'aime pas trop. Et après on fera Dragon Age 2 ensuite.
Je m'en charge. Alors, domaine du Jarl de Denirim. Domaine du Jarl de Golfalois. Eh ben, go alors. La porte de service est de l'autre côté de la maison. Nous devons nous frayer un chemin dans la foule pour l'atteindre. Prenez garde, le Jarl Haut est ici. Oui, et partout où il va, il s'entoure d'un régiment de gardes. Je vous en conjure, n'allez pas mettre ma reine en danger pour assouvir votre vengeance. Seul importe sa survie. Le domaine est en piteux état, et le nouveau Jarl ne s'est pas empressé de payer ses ouvriers. Je vous suis. Ça va être génial de couper la tête à cet enfoiré. J'ai rejoué à Dragon Age 2 récemment et finalement, c'est pas un aussi mauvais. Tiens, il y a du monde. Pas de furtivité dans le combat, d'accord. Hein? C'était quoi qui m'a touché là? Mon perso est en posture de parade. Bon. On se met derrière et... On avait dit une discrétion, n'est-ce pas? De la discrétion. C'est quoi ce bruit? Il a un peu mal vieilli Dragon Age Origins quand même. Hein. C'était la première de tous les rapidement. On va faire un peu de cueillette en attendant, là. Je peux distraire les gardes, mais il va falloir faire vite. Faites vite, ma reine n'a plus beaucoup de temps. Alors là, on va rigoler. On est prêt? Je vais aller distraire les gardes. Je vais les attirer jusque dans la cour. Attendez dans ces fourrés. Oh, venez vite, j'ai vu quelque chose. Près de la fontaine. Je crois que c'est une engeance. Une engeance? Ils vont nous entraîner sous terre et nous dévorer. On appelle les renforts. T'es tombé d'une charrette de demeurée ou quoi? Appeler les renforts pour qu'on ait l'air de vierge effarouchée à cause d'une oreille pointue? Ils vont nous dévorer vite! Je vous en prie! Bah, s'il y a vraiment quelque chose dehors qui donne pas l'alerte, ce sera pire que penser pour des poltrons. Par la sainte culotte d'Andrasté! Très bien!
On va voir dans la cour si ça peut t'éviter de pisser dans tes chausses. Mais y a rien, je parie. Merci. Oh, j'étais par là. Vite. Lol. Et hop là. Ils sont vraiment cons les gars, hein. Pire que dans Metal Gear Solid. Bon alors. Oh, j'ai cru ne jamais m'en défaire de ces deux-là. Il faut être très prudent maintenant. Les domestiques ne regarderont pas en détail quelqu'un en uniforme. Aux yeux d'un cuistot, tous les gardes se ressemblent, non? Mais n'attirez pas l'attention. La plupart des gardes sont des nouveaux. Ils ne vous démasqueront pas au premier abord. Mieux vaut garder vos distances et faire profil bas. Dans une chambre d'invité, vers le grand vestibule. Andraste, guide-nous. Cette cuisine est une honte. Comment a-t-on pu préparer quoi que ce soit pour l'ancien Jarl dans une telle porcherie? Personne n'a voulu que les cafés avaient bon. Autant piller ses affaires, sérieux, quoi. C'est vrai. Le Yarlo, ça m'a enculé, de toute façon. De suite. D'après ce que je sais, ce n'est pas les moutons. Oh oui. Ce qui aurait été ici. Un poule. C'est une langue qui peut exprimer les trucs de la lumière. Oh putain. C'est toi le chien. Oh, créateur, dans quoi me suis-je fourré? Bonjour, déverrouillage impossible. Le garde des ombres est ici, ma reine. Loué soit le Créateur. Pardonnez-moi cet accueil indigne, mais je crains que nous n'ayons eu un revers de fortune. Mon hôte ne s'en est pas tenu à me placer sous bonne garde. Il a scellé la porte par magie. J'ai disqué le mage responsable. Il ne quitte jamais le côté de haut. Merci, garde des ombres. Les prières vous accompagnent. Le terme haut s'est probablement retiré dans ces quartiers. Il se trouve au bout du couloir sur la gauche. Le terme haut doit être dans ces quartiers. Deux minutes. Oui, c'est qu'est-ce que c'est? Bon, revenons où on en était. Qui a marqué, où est-ce que je peux retrouver le Jarl? Non, pas ici. Ce sera
Ah, là-bas. Ok, allons-y alors. Attends, comment? Ah! D'accord. J'ai un petit coup de pillage. Document des gardes des ombres. J'y vais là. Merci pour cette diversion. C'est exactement ce que j'attendais de vous dire. Seriez-vous assez aimable pour Alistair? C'est bien vous. Attendez, je vous connais. C'est qui présente une union. C'est l'un de l'autre. Un garde des ombres d'Orex. Il vient de Jadur. Il vient de Simar. Désolé. Je suis Riordan, garde des ombres de Jadur. Mais j'ai grandi à Oxy. Et je suis heureux de vous trouver. En effet, c'est la liste des morts que j'ai pu reconnaître à Ostagar et une partie des archives de Duncan concernant ses recours. J'ai également récupéré les documents décrivant la cérémonie de l'union dans notre sanctuaire de Ténéry. Ils sont codés, mais ils ne doivent en aucun cas tomber entre des mains étrangères. J'aimerais en être capable, car Ferelden manque cruellement de protecteurs. Pour que l'union s'accomplisse, chaque recrue doit non seulement ingérer du sang d'engeance frais, mais aussi une goutte de sang d'archidémie. Normalement, ce sang aurait dû se trouver dans le sanctuaire, mais à mon arrivée, il avait disparu. Quelqu'un, peut-être Loghain, l'aura confisqué ou détruit. Comme vous le savez, notre méthode de recrutement n'est pas des plus fiables. Loghain représente pour l'instant une menace bien plus immédiate. Mais si j'en crois les rumeurs du Ténéry, vous avez déjà prévu de le détrôner, n'est-ce pas? Je l'ai vu descendre dans les cachots, il doit encore y être. En m'offrant l'hospitalité et une coupe de vin empoisonné, j'ai été assez stupide pour croire que Loghain ne découvrirait pas mon identité. Dans mon état actuel, je ne vous serai guère utile. Et si vous voulez bien m'excuser, j'ai un désir pressant de respirer. Nous nous retrouverons plus tard une fois que j'aurai repris les forces. Eh bien, allons-y alors. Et bonne chance, mon frère. Qu'est-ce qui devient ce bonhomme? Je sais plus ce qui lui arrive. Bon. Du coup, comment ça se passe? Comment je fais pour me rééquiper? Ça se passe tout seul, je ne sais plus. Bref. Direction le donjon. Il est niveau combien, mon perso? Je crois que Dragon Age Origins, il va vers le niveau 18-20. Alors... 18, ah bah ouais, tiens. Qui va là? Vous croyez malin, hein? Quand quelqu'un vient ici sans l'aval de Howe, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Vous savez quoi, les gars? Je crois qu'on a enfin un peu de distraction. Ouais, bon, soit. Le... Attends, c'est quoi ce délire? Il y a un sorcier dans l'histoire ou quoi là?
Qu'est-ce que c'est qui me ralentit comme ça? Frappe de bouclier. Graisse. Malus de déplacement. Ok, d'accord. Soit. Ok. Bon. Ça s'annonce pas terrible. Alistair, il est ralenti. Il peut pas faire son rôle de tank. Avec un peu de chance, Morrigan va tous les paralyser. Voilà. Alistair, qu'est-ce que tu fous? D'accord. Tu te planques dans la graisse. Qui c'est qui est mort? Win? Mais attends. C'est quoi ce bordel? Avec l'armure qu'il a, Alistair, touche le matin pour lui faire mal. Alors, est-ce que j'ai de quoi soigner la miss? Enfin, mémé plutôt. Non, bon. Il n'y a pas de sort pour ça, c'est super chiant. Clé nécessaire. Ok. Faut que j'aille par là, je pense. Ça me... mais c'est pas le donjon qu'il y avait dans Champ de Liliana, ça? Ça ressemble vachement, en tout cas. Da fuck. Qu'est-ce que c'est qui me stun comme ça, putain? Il y a un autre tireur à l'arc, mais il est caché derrière son pilier, il peut pas me toucher. What? Pourquoi tous les autres ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je refuse de croire que c'est les chiens et les deux gardes aux flèches qui les ont tous tués. Ah, d'accord. Bande de crétins. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est personne ne bouge. Et je vais voir s'il n'y a pas un déclencheur. Piège déclenché. Évidemment, les gardes, ils ne prennent pas de dégâts, évidemment. Hein. C'est quoi cette aura? Il y a bel et bien un mage en fait. Il y a un mage, putain. Bon, les gars,
Zigouillez-moi cet imbécile. Faut faire super gaffe dans ce jeu-là. Sauvage devant nous. Putain, il s'est fait mettre à terre. Je me demande s'il n'y a pas un spell pour guérir ça. Guérir les blessures des alliés très proches du lanceur. Il va falloir que je prenne ça au prochain level. Il était là le piège, putain, mais je l'avais pas vu moi. Je me dis. Enfin, mon perso l'avait pas vu plutôt. Ce sera fait. Silence. Bien d'autres. Première chose à faire, vérifier si on n'a pas de mage. Et d'un. Ou mon père a-t-il trouvé hilarant de me laisser croupir ici avant de vous envoyer me chercher? Vous avez des fréquentations plus qu'honorables, étranger. Je suis Oswin, fils du Ban Sigard et du Pic du Dragon. Si vous n'êtes pas de nos soldats, dites-moi qui je dois remercier pour ce sauvetage. Je comprends à présent la raison de votre présence, garde des ombres. Vos hommes ont beaucoup souffert ici. Dans ce cas,
Laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude, ainsi que celle du bagne du pic du dragon. Si mon père n'a encore envoyé personne pour me sauver, c'est sans doute qu'il ignore tout du véritable visage de ses alliés. Mais si vous allez lui parler, je suis sûr qu'il vous offrira une récompense à la hauteur de vos attentes. Demandez ce que vous voulez, peu m'importe. Je veux juste revoir mon père et laisser ce médecin soigner mes mains. Maintenant, je dois retourner auprès de lui. J'ai hâte de quitter cet endroit. Tu m'étonnes. Un homme torturé. Cigarde. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Cataplasme curatif. Les flaques d'acide, il faudrait que j'essaie de m'en servir. Apparemment, c'est assez efficace. C'est vraiment un truc que je faisais jamais. Alors, bombe foudroyante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flasque d'acide, bombe de psychoacide. Enduit de psychoacide. Venin, ok, on va essayer ça. Je trouve c'est efficace, je n'en sais rien. Tellement longtemps que j'avais pas joué à Dragon Age. Voilà. Bon, Morrigan. Quoique. Ok, j'ai pris plein de dégâts dans la face, je sais pas comment. What? Mais d'où les archers, ça fait aussi mal là? C'est quoi ce bordel? Alistair, qu'est-ce que tu fous? Taunt! Et vous êtes gentil les mages, évitez de vous laisser apporter des premières attaques venues. Mais qu'est-ce que... L'IA est quand même assez catastrophique dans ce jeu-là. Hein. Un peu moins bête en fait. Ça m'arrangerait pas mal. Il sonne la retraite. Entendez-vous? Entendez-vous les... Il sonne la retraite. Entendez-vous? Entendez-vous les chiens qui hurlent? Il sonne la retraite. Entendez-vous? Entendez-vous les chiens qui hurlent à la mort? Ok, cool, mais... Je peux pas le libérer, moi. Ok, bon, je suis censé faire quoi? Ok, d'accord. On verra quand j'aurai la clé, peut-être. Ah bah. L'ordre de retraite a été donné.
Le corps a retenti. On s'est replié, et puis il y a eu ces cris. On a foncé, et les cris redoublaient encore, toujours. Ah! Mère, sentez-vous l'odeur du sang? Ils ont dit que c'était les engeances, mais on les a mangés eux aussi. Ok. Ils sont morts, et nous les avons abandonnés dans les marais. La sorcière! La sorcière! N'en tirons rien de plus. Tu vois, je sais plus où c'est. Au bout du couloir, peut-être. Bon. Tiens donc, le jeune. Vous avez bien grandi. Vous arrivez presque à la cheville de votre père. Ne vous aurez pas cru assez bête pour oser vous montrer ici, de notre côté, je ne vous ai pas cru. Votre appel à la clémence ne tient pas. C'était un traître, doublé dans l'arche. Tous ces voyages en Orléans, des cadeaux de nos anciens ennemis. Et pendant ce temps, sombrait dans l'obscurité. Ok. Votre famille a dilapidé une gloire qui me revenait de toi. Ok. Il n'est que justice que leur mort ait fait parvenir mon nom aux oreilles. Ok. Si vous croyez que je vais vous laisser m'en déposséder, vous vous trompez lourdement. Ah, ok. Pas de parlementation, c'est. Je vais te péter ta gueule et puis c'est tout. Alors. Bon, il y a des chances que je réessaye ce combat plusieurs fois. Il va falloir absolument se débarrasser du mage. Le plus vite possible. Alors, Morrigan essaie de me faire une paralysie sur ce salaud. Toi, fais-moi un cône de froid, mais quand Alistair sera plus là. Tiens, Alistair, essaie d'occuper le Jarl un petit peu, là. Moi, je vais me sortir d'ici. Il est paralysé, on lui pète sa gueule. Sauf Alistair qui va essayer d'occuper le Jarl pendant qu'on lui pète sa gueule. Ok, un mage en moins, c'est déjà le combat à moitié gagné. Un autre mage ? Oh, putain de bordel de merde. Mais merde, tu vas mourir, espèce de... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, mais... Ça, ça peut être sympa. Et toi, tu vas me tuer ce mage, bordel de... Oui, merde, il est libre. Et un mage en moins. Deux. Bon, le Jarl, visiblement, il est très attiré par... Ah, ah non, le Jarl, il est attiré par moi, en fait. Ok, un en moins. Alors, Morrigan, tu vas te mettre ici.
Quinn, tu vas te mettre ici. Alistair, tu vas lui péter sa gueule et moi j'essaie de le backstab. Ensuite, on fait ça. Et est-ce qu'il me reste encore du venin? Non. Et prends ça dans ta face. Soyez maudits. Je méritais. Alors, hache de riposte, arme à une main, une glaciale, clé du yard. Je m'exécute. Qui va là? N'approchez pas. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je vous ferai tous écorcher vifs. Je suis le jarl de Ténérib. Mon nom est Bogan Kendel, héritier du comté de Ténérib. Je vous assure. Trop de nos hommes ont péri à Ostagar avec mon père. Lorsque les émeutes ont éclaté, O a mobilisé des troupes pour renforcer la garnison. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu. Je l'avais à peine admis dans le palais qu'il m'a fait jeter ici. Une autre victime de l'insurrection elfe, a-t-il dit. Laissez-moi sortir, je suis prêt à tout. Là, je compatis, mon pote. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Mais faites-moi sortir. Je vous promets que vous n'aurez pas à le retenir. Il y a intérêt. Sinon, je recharge et je te décapite. Bien, compagne du créateur. Aie pitié de moi, Alstana. C'est bien toi, petite sœur. Non, je ne vous connais pas. Êtes-vous réel? Je suis Irminric, chevalier lieutenant de la chanterie de Ténérib. Vous êtes de la troupe du Tien? Il semble en état de mort de l'Union. Il en présente tous les symptômes. Il y a une crise de larmes. Il ne doit même pas savoir ça. La grande prêtresse le savait ici à Cracher. Les nobles n'ont aucune autorité sur lui. J'ai failli Irminric. Créateur, pardonne-moi. J'ai failli. Qui peut savoir ce qu'il a fait? Alstana est bien meilleur pas que je n'aurais pas. Mais je ne me souviens pas comment j'ai échoué ici. Faut pas rien ce qu'il raconte. Je suis maléficien. J'ai usé de la magie du sang pour les Templiers et les mages du cercle afin de fuir sa tour. Je l'ai traqué jusqu'à Golfalois. Mais les hommes du tiers et m'ont conduit jusqu'ici. Oui, il a détruit son phylactère. Nous avons dû nous disperser pour tenter de le localiser. Et je me suis retrouvé seul. Vous êtes bien réel. Je fais des rêves. Personne ne peut me libérer de mon échec, hormis Embrasteur. Donnez cet anneau à ma sœur, Alstana. Bon, tu t'occuperas de lui plus tard si j'en ai l'occasion. Eh ben, oh, il a pas fait long feu, hein. Je vous remercie. Merci. Je suis certaine que vous nous conduirez en sûreté. Les nervis de Howe nous découvrent, ils me tueront. Quant à mes gens, ils m'escorteront jusqu'au palais où mon père a aussi bien nous réserver des mansions.
Garde des ombres, au nom du régent, je vous arrête pour le meurtre de Rendon Howe et de ses hommes d'armes. Rendez-vous, et nous ferons preuve de clémence. Quoi ? Vous êtes sûr ? Neutralisez-les ! Logan, je le garde des ombres, mort ou vif. Ok, bon. Alors normalement, ce combat, il est pas gagnable. Alors si je mets Alistair ici, Morrigan là, qui fait... Alors, Alistair, fais-nous une taunt. Win, fais-nous un earthquake. La paralysie de masse est partie, mais Alistair elle s'en est déjà pris plein la gueule. Il est presque mort. Voilà, ils sont tous paralysés. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'acharne sur elle ou est-ce que je les tue tous? Et Alistair est mort. Ok, d'accord, eh ben, on n'aura pas l'occasion de savoir. Pourquoi on est tout stun? Qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi Alistair il est pas ressuscité comme je l'ai dit là? Alors attends. Ok, on va la refaire. Évidemment, on ne peut pas passer par un autre chemin. Garde des ombres, au nom du régent, je vous arrête pour rendez-vous et nous ferons preuve de clémence. Neutralisez-les. Ok, donc cette fois, on va se la jouer autrement. Demi-tour, tout le monde. What? C'était quoi ça? Attends, ce qu'on va faire déjà, c'est... Hop! Ok, déjà d'une. Et mon personnage est bientôt mort. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Il est mort. Ok, on recommence. Rendez-vous.
Rendez-vous et nous ferons preuve de clémence. Neutralisez-les. Ennemis en vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est parti. Yes. Alistair recule un peu. Recule Alistair, j'ai dit. Ne reste pas devant le feu ennemi, et il est mort. Résistance, putain. Alistair est revenu. Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça va être très compliqué. Voilà, ça c'est fait. Résistance, putain. C'est la mort. Je vous apporte. Un peu, oui. Ça, c'est fait. Bon, je vais essayer pendant ce temps-là, je reviens.
Alors, nous voilà revenus pour la suite de l'histoire. Normalement, je pense que, même si elle avait beaucoup de points et qu'elle faisait très mal à Alistair, c'était la partie la moins difficile de l'histoire du combat. Normalement, c'est pas tant eux qui sont elle qui est problématique, c'est tous les bonhommes qui sont avec elle. Bref. Comment on va s'y prendre pour tous les tuer? Parce que c'est surtout ça le problème, en fait. Non, 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 non. Alors là, les gars, non. Vous restez à vos places et vous ne bougez pas. Je ne veux pas vous voir. Maintenant, Morrigan, tu vas là. Ouais, maintenant, vous retenez, vous revenez tous à vos places. What? C'est quoi qui m'a touché là encore? Ok, voilà du monde. Ok, il y en a encore d'autres. Ils sont pas tous morts. Ok, bah du coup on va la refaire, dit-elle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les gars, pareil, vous ne bougez pas, je vais partir en reconnaissance. Pourquoi la discrétion est la meilleure? Ok, je vois deux archers, trois archers. Oh, ok, ils sont tous là encore. C'est loin d'être terminé. Nous devons nous battre. Thank you.
Ouais, il y a du monde. Comme vous voulez. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste là-bas? Plus grand-chose, visiblement, mais... Job Templer. Fini. Bon, est-ce qu'on fonce dans le tas cette fois? Je peux tuer le mage, je pense qu'on a gagné. Oh bah, je pense qu'on peut sortir ma foi maintenant. Elle est où Miss la reine en fait? Bon. D'accord.
Par le souffle du Créateur, qu'il est beau de vous voir en vie, mon ami. La mort de Dame Cotrien est fort regrettable. J'imagine que c'était un mal nécessaire. Nous allons devoir œuvrer de concert. Et vite. Mon père a perdu l'esprit. Je n'ai plus le temps à m'en aviser, mais il est sous l'emprise d'une folie de la persécution telle qu'il n'entend plus la voix à la raison. Vous voyez en moi une menace. Et pourtant, je suis certaine qu'il vous décrira devant les nobles comme des perfides assassins qui ont séquestré et manipulé. Peut-être même en sera-t-il convaincu. Ce que je pensais, ce que j'espérais, oh, exerce sur lui une forte influence. Sa mort ne peut qu'être. Malgré tout, ce ne sera pas suffisant. Nous n'avons qu'à peine ébranlé mon père. Je le connais. Jamais il ne le montre. Il vous faudra des arguments pour affronter les conclaves, et je peux vous les procurer. Vous venez à peine d'arriver dans la cité, vous n'êtes peut-être pas au fait des événements. Depuis la défaite de Stagar, Vénérim est secouée par les troubles, ses habitants minés par le chagrin ou la colère. Étrangement, le Bacloat est en proie aux démons les plus violentes. Pourtant, rares sont les elfes à compter parmi les victimes de Stagar. Rien ne devrait justifier leur révolte, à moins que mon père et Aude ne provoquent leur colère. J'ignore de quoi il retourne exactement, mais je ne doute pas que mon père y a prêté la main. Ce sont là des pistes intéressantes, Anora. Mais vous auriez pu charger votre servante de nous communiquer ces informations. En effet, en tant que captive de Howe, je craignais qu'il n'attente à ma vie. Et pour être franche, je vous ai envoyé Alina dans l'espoir de conclure une alliance. Vous avez besoin de preuves pour le conclave, et aussi d'un candidat plus apte à la succession. Bref, vous avez besoin de moi. Alistair est sans aucun doute tout à fait corvéable et convenable, mais son sang n'en fait pas un. Croyez-vous que je serai la seule à m'en aviser? Vous couronnez le tout? Alistair est garde des ombres. Vous aurez beau dire, d'aucuns vous soupçonneront de manœuvrer pour votre ordre. De mon côté, je suis neutre et déjà prêt. Anora, vous êtes certes la veuve de Kaylan, mais... Je suis la fille du plus grand général de Ferazel. Qui, à votre avis, a régné sur cette nation ces 5 dernières années, Kaylan? Notre pays a besoin de moi, et non d'un roi profane qui n'aspire au trône que du coup des lèvres. Je peux vous aider à arrêter mon père. Méditez mes paroles. Pour l'heure, je me retire dans mes appartements. Garde des ombres. Quand vous aurez un moment, venez me parler seul. Voilà une demoiselle fort entreprenante, n'est-ce pas? Je me souviens de sa première venue à Denerim, aux côtés de Loghain, pour rencontrer Kaylan. Ce pouvre Kaylan n'était pas un mauvais bougre, mais Anora avait toujours 2 longueurs d'avance sur lui. Il a toujours fait ses 4 volontés depuis la première fois qu'elle a battu des cils devant lui. Ses propos ont certes un fond de vérité, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle nous réserve une mauvaise surprise. Hélas, c'est loin d'être la seule. En effet, si je puis me permettre, allez voir Anora. Ce sera soit une alliée de poids, soit une puissante ennemie. Plus tôt nous saurons dans quel camp elle se range, mieux ce sera. Thank you.
de faire des enchantements sur l'épée. Et de l'essor, voilà. Résistance au sort. Dégâts. Résistance au sort, c'est pas trop. Je vais vendre des trucs. Que puis-je pour vous? On a sûrement ce qu'il vous faut. Ce que nous avons. Vous revenez causer au vieil engrais? Je vois pas pourquoi. Quoi? Franchement, c'est le pied. Au début, tout cet air, ça me donnait un peu envie de gerber, mais... j'y vais. Le bon point, c'est que personne n'a entendu parler de moi, ni de ce que j'ai fait. Depuis cette guerre, faite avec des céréales. Non, monsieur. Ouais, la surface, ça me plaît bien. C'est comme une immense décharge sans plaie. Je m'y sens comme chez moi. Ouais, si on trouvait un petit quelque chose à estourbir, hein, avec toute cette parlotte, j'ai les pognes qui protestent. Du plus humble des esclaves au plus grand des esclaves, tout bien que frappé par qui s'aime le plus ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que désire, monseigneur? Que de questions vous taraudent? Peut-être, si j'en ai le désir. Or, ce n'est pas le cas. C'est un peu une spé qui pue, métamorphe, quand même.
Dégagez. Ok, soit, c'est bon. Quelqu'un vient. C'était quoi ça? Bref, continuons. Merci d'avoir fait décamper ces brutes. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Je savais que je n'aurais pas dû faire un détour par ici. Maudite souris pointue. Vous n'auriez pas une pièce pour un vétéran? Embrassez vous bénisse. Je n'oublierai jamais votre visage. Oh, ça non. Je parie que je ne le reverrai pas dans Dragon Age 2, ni dans Awakening, ni même dans Inquisition. Salut le chat, miaou! J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas rester là une journée de plus. Alors rentre chez toi. Le mieux à faire pour tes enfants, c'est de ne pas prêter foi à ces charlatans. Que tout le monde reste calme. Nous allons vous aider autant que possible, pourvu que tout se passe dans l'ordre. Oh, vous voulez nous aider, Shen, comme Valandrian et mon oncle Tyrion. Eux aussi, vous les avez aidés, hein? La preuve, plus personne ne les a revus. Oh, nous vous avons déjà tout expliqué. Ce n'est pas à force de pleurnicher que vous nous convaincrez de vous laisser entrer dans la salle de quarantaine pour ensuite propager l'épidémie dans tout le battoir. Shani, tu vas tous nous faire tuer. Toi, je ne sais pas, mais moi, je tiens encore à la vie. Si leur sort fonctionne, pourquoi la moitié de ceux qu'ils ont placés en quarantaine sont-ils en parfaite santé? Qu'y a-t-il, Shani? Vous vous ennuyez, vous avez décidé de venir voir les elfes mourir de l'épidémie. Ces étrangers disent être là pour nous aider. Étrange alors que ceux qu'ils aident disparaissent tous. C'est faux, Shani, tu le sais. Mes deux sœurs ont reçu le sort des félinitides et elles se portent à merveille. Et ta nièce, qu'en fais-tu? Et mon oncle... Des félinitides? Et Valandrian? Ces mages prétendent venir d'un cercle, celui d'un autre pays. Je ne sais absolument pas s'ils disent la vérité, ni même si quelqu'un s'en soucie. Ces dernières semaines, les étrangers ont conduit des dizaines d'elfes dans cette maison, et l'on n'en a plus revu aucun. Parmi eux, il y avait Valandrian, notre haleine. Je ne sais pas ce que nous allons faire s'il ne revient pas. Vous ne pourrez pas y entrer. Eh bien, il y a une autre entrée par la ruelle de derrière, loin des regards, loin des mages, et il n'y a qu'un seul garde. Tente donc, mais ces gardes ne plaisantent pas. Y a-t-il quelqu'un? Le Créateur vous bénisse. N'ayez crainte. Je suis encore en mesure de voir. J'apprécie votre candeur. La plupart de vos visages encore s'enferment dans un silence gêné. Je suis un tombier. J'ai perdu la vue lors d'un combat contre un puissant maléficien. Il a invoqué des flammes qui m'ont brûlé le visage. Les plaies ont cicatrisé. Mais je ne verrai plus jamais. Durant mon séjour au Paradis, j'ai senti qu'un obscur phénomène était en œuvre. Et quoi exactement, je l'ignore. Il m'a fallu être patient, mais certains d'elles se sont mis à mon histoire. Mais je n'ai rien trouvé qui confirme mes craintes. Oui, mais ma perception est bien impliquée. J'aimerais que vous soyez mes yeux. Sillonnez le parcours et cherchez-y tout ce qui vous paraît sortir de l'ordinaire. Je l'ignore, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à trouver. Vous semblez capable. J'espère que vous trouverez ce que je cherche. Puisse le Créateur veiller sur vous.
a dit qu'il me rapportera un cadeau de notre fille. Je me demande si ça va. Vous demander de partir. Certaines de ces personnes sont porteuses de la maladie. Le baccalauréat est malsain pour les visiteurs. Si nous n'avions aucun moyen de nous en prémunir, nous ne serions pas ici. À quelle école de magie appartient ce sort? Notre cercle n'en connaît aucun susceptible de prévenir une épidémie. Veuillez nous en excuser, mais nous ne sommes pas autorisés à dévoiler les secrets de notre cercle aux étrangers. Pour votre sécurité, je dois vous demander de partir. Peut-être une connerie là. J'ai peut-être fait une connerie. Bon, allez, demi-tour. J'espère juste que tout le monde va pas m'attaquer à vue parce que je suis rentré là-dedans. Visiblement non. Vous ne pouvez pas entrer juste un instant. Alors je vous conseille de tourner les talons sur le champ. D'ailleurs, avec cette épidémie, vous ne devriez pas être dans la rue. Quel est le pire? Mourir d'épidémie ou mourir de faim? Je vais risquer l'un si ça me met à l'abri. La faim, je connais. Ça n'a plus la fin de la nuit. Assez pour répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? 6? Entendu. Et on ne s'est jamais vu. Yes, Morrigan qui passe au niveau. Ouais, allez, 22. Jamais assez de volonté pour un match.
Je m'en charge. Ce sera fait. Je m'étais... J'ai fait une connerie que j'aurais pas dû faire ça. Évidemment. Quelqu'un vient. Bon, on va la refaire. Et ta nièce, qu'en fais-tu? Et mon oncle Sirion? Et Valandriane? Parmi eux, il y avait Valandriane, notre haleine. Je ne sais pas ce que nous avons. Vous ne pourrez pas y entrer. N'ayez crainte. Il a invoqué des flammes qui... J'aimerais que... Ok, bon, on va refaire ce qu'on était parti pour faire. Non. D'ailleurs, avec cette épidémie, vous me... Quel est le pire? Pas assez pour répondre à toutes. Allez, on y retourne, et cette fois, on sort pas de l'autre côté. Nous ne sommes pas malades. Laissez-nous sortir. Merci encore, mon ami. Ils l'ont déjà emmené par la ruelle de derrière. Ça, je peux pas vous dire. Inutile de me le dire deux fois. Porte principale, porte latérale. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas. Bon.
Bah dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est... Très bien, ouais, bon, on va aller directement par là, n'est-ce pas? Qui va là? N'approchez pas. Je sais pas. Demandez à quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Je les ai vous relever tout le monde. Ils sont venus les chercher jusque dans leur lit. Ils les ont traînés dans les couloirs. Bon sang, j'entends encore les cris des enfants. Je l'ai vu. Il était avec les autres. Ils étaient tous attachés comme des bêtes. Dans l'ancien bureau du propriétaire. Tous ceux qui entrent n'en ressortent jamais. Ils repassent tous les deux ou trois jours. On dirait une parade silencieuse. Hommes, femmes, enfants. Partez maintenant. Ils vont bientôt revenir. Quand ils verront que j'ai parlé, ils me prendront moi aussi. Allez-vous-en, par pitié. Une livraison, on avait pourtant. Mais vous n'êtes pas un dénuti. Qui êtes-vous? Oh non! Pas vous! Ah, allez!
ciel. Putain de Tevinci, esclavagiste accro à la magie du sang. Que faites-vous là? Vous nous avez assuré que les autorités ne s'opposeraient pas à nous. Ah, vous êtes donc un groupe de bons samaritains errants. Vous allez le regretter, vous savez. Croyez-le ou non, nous œuvrons ici en toute légalité. Vous les ferez le bien. Vous avez beau dire à tout bout de champ que l'esclavage est une aberration, il suffit de vous faire renouveler un peu d'or et vous abandonner vos idéaux. Vous croyez que je me sens proche de ces moutons? Voyons, je suis Tevinci d'avant tout, mage du cercle de Minrati ensuite. Voilà tout ce qui compte. Avec des flèches dans le dos, mage. Je viens mettre un terme à mon sens, rien de plus. Je ne suis pas stupide. Je vois bien que vous ne plaisantez pas. Entendu. Je vais laisser Caladrius vous régler votre compte, le temps que j'avertisse les hommes du régent. Je vous conseille de partir tant que... Caladrius ? Quelque chose comme ça. C'est un piège. Là, un piège. Comme c'est un jeu. Ce sera fait. Je m'en charge. Prenez-vous siège. Thank you.
Mais attends, c'est une épée à deux mains qu'il a à l'extérieur là. Oh, mais ça va pas du tout ça. J'avais pas fait gaffe. Je suis Caladrius, et quant à vous, j'imagine que vous êtes garde des ombres dont j'entends. Ces derniers temps, le régent Logan n'a que quatre des ombres à la bouche. Même argent n'a rien. J'ai cru comprendre que vous tentiez de saper le soutien dont bénéficie Logan. Ce ne doit pas être une main de terre, n'est-ce pas? Autant essayer de saper les fondations du paradis. Je suis sûr que vous auriez grand besoin d'aide. Les sarcasmes ne vous mèneront nulle part. Pour tout vous dire, nous savons depuis le début que nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. De nombreux hommes de Logan sont à notre solde, mais une fois le conclave achevé, nous deviendrons. Voici mon offre. Donnez-moi 100 sous-marins et je vous remets une lettre portant le sceau du tien de Guaren qui n'implique pas. J'ai pas 100 sous-marins sur moi, moi. Ensuite, vous nous laissez partir. C'est raisonnable pour une première fois. Je me sens seul. Vous allez tout de même. Alors, qu'en dites-vous? Admettez que c'est tout de même mieux que d'avoir un cours. Pour rien. Après tout, si nous pouvons garder tout le reste. Il est triste de marchander avec la vie de pauvres innocents. Allez, rassemblez les esclaves et les mâles, nous partons tout de suite. Je m'exécute. Je m'en charge. Désolé, nous sommes fermés. Vous trouverez sans doute votre bonheur dans le quartier commerçant. Je suis désolé, il faudra... Votre langue est celle qui nous fait, Morgane. Pourquoi traitez-vous ainsi autrui? Je ne vous dois aucune explication. Il n'est pas inscrit, j'ai besoin de vos lumières sur mon front. Ces gens sont vos compagnons de voyage. La courtoisie est de mise à leur égard. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Les autres ne sont pas. Vous voulez que je vous témoigne à vous de la vie. Je ne suis pas l'un de vos apprentis au cercle suspendu à vos lèvres. Je ne suis pas Alistair qui voit en vous une mère de remplacement. Non, vous n'avez rien en commun avec Alistair, c'est évident. Allez faire vos sermons ailleurs, je n'en ai cure.
Ouvre tes yeux. Ce sera fait. Bon, j'espère le trouver chez lui, il est visiblement pas là. Je m'exécute. Vous auriez pas une pièce pour un vétéran? Merci d'avoir fait décamper ces brutes. Vous n'êtes pas des méchants hommes, hein? Je veux juste rendre ma grand-mère heureuse. Grand-mère, fais partir les voix! Tout et rien. Ce sont celles des méchants hommes dans la maison. Les gens de la maison. Et puis ce sang, pauvres animaux, pauvres de nous. Non, certes, surtout pas. Il n'y a pas eu de combat au Marc-Moi-Tour-Mézamon. Et pourtant, ce sang a coulé. Il doit forcément y avoir une explication. C'est près de l'orphelinat, n'est-ce pas? Triste lieu que celui-ci. Avez-vous trouvé autre chose? Je le signale immédiatement. De telles maladies peuvent se propager, je crois, même à partir d'une carcasse. Il est possible que quelqu'un ait connu cette propriété. Je veux bien accepter une étrangeté, mais...